Bonjour, bonjour, je vous fais une petite vidéo pour ce casque que j'ai acheté sur Wish. À première vue, c'est de la très bonne qualité. J'ai pu déballer et constater un peu au niveau des finitions. J'ai pu voir que c'était assez bien fini. Il n'y avait pas de soucis, ça paraît un peu léger au niveau de la télécommande et le film, mais bon, ça fait son job. Les écouteurs sont assez lourds, ce qui fait que c'est pas mal. Ils vont directement vers l'avant pour vous lever autour du cou. Et grâce aux aimants, ils viennent se connecter directement. Allez, hop. Voilà. C'est pas mal, par contre, faut pas trop se secouer parce que ça arrive à se défaire et on risque de les perdre. Donc, comme tous les écouteurs, on arrive à avoir des embouts de rechange. C'est fourni dans la livraison. C'est toujours bien emballé, franchement, dans du papier bulle pour éviter les coups. Donc là-dessus, moi, j'ai rien à redire. Après, au niveau son, voilà, c'est pas exceptionnel non plus. C'est au niveau des basses, on n'a pas grand-chose, mais voilà, c'est pas non plus très aigu. Moi, ça me suffit largement quand je fais mes sorties vélo et voilà, ça fait son job. Ensuite, on a une télécommande, donc c'est tout simple, hein. On vient appuyer longuement, tac, la lumière bleue s'affiche. Et là, il est en charge de Bluetooth. Donc une fois qu'il a trouvé, hop, la lumière bleue se reste fixe. Donc en appuyant une fois ici sur le plus, vous allez avancer au niveau des pistes de lecture et ici sur le moins revenir en arrière. Si vous voulez augmenter le son ou baisser le son, il faut appuyer plusieurs fois sur le plus ou sur le moins. Ensuite, si vous voulez décrocher, pareil, au moment de l'appel, vous décrochez sur le sujet du milieu et vous verrez que bah, la personne vous entend quand même. C'est pas non plus très exceptionnel, mais ça suffit quoi. Pour la charge ici, là on voit c'est discret. Ici, donc ici vous avez bah, le petit caoutchouc qu'il faut enlever et vous avez une micro USB comme vos téléphones portables avec un embout de au bout de port USB. Hop, on met la petite connectique. Par contre, faites attention au niveau de la flotte, c'est pas étanche quoi. Faudra penser à le protéger. Donc, toujours fourni avec un câble de charge, des embouts de rechange. Voilà, bon, le temps de charge c'est très rapide. Après, à voir dans le temps comment ce que ça donne. Bon, merci de m'avoir écouté et j'espère que cette petite vidéo vous a suffi. Voilà, je sais que j'aime bien avoir une petite vidéo et un commentaire quand je viens d'acheter sur Wish et là du coup il n'y en avait pas donc j'ai préféré la faire. Allez, bon achat et bonne journée. Ciao!